Et salut à tous, c'est Ash. Élève. On se retrouve aujourd'hui pour le 17ème épisode de Star Wars Jedi Fallen Order. On espère que vous allez bien, nous en tout cas ça va super. Et on s'est arrêté en route pour le Mantis. Et c'est déjà le 17ème épisode. Déjà, bon dieu de bon dieu. J'en reviens pas moi-même. Bon, on essayait de retourner au Mantis. C'était pas par là. Bah si, y'a que par là où je peux aller. Si, faut que t'ailles par là. D'accord, bah on y va. Bonjour. Là, tu les butes pas. Je peux juste vous esquiver, on s'en fout. Voilà. Et je sais pas si c'était par là ou si c'était pas de l'autre côté qu'il fallait aller. Non, c'est par là, je crois que c'est par là. Comment t'as trouvé? Bah allez, attends, ils me suivent. Bon, bah bute-les. Bonjour. Ah non, ils peuvent pas passer les portes. Ils bah, repartent. D'accord. Ils se sont dit, non, mais franchement, est-ce qu'on a vraiment besoin de... Non, mais chef, vous savez quoi? On l'a pas vu. Ouais, on a vraiment besoin de le tuer? Non, pas forcément. On l'a pas vu, on l'a pas vu. Protocole X8B503. La fuite. Salut. Apprendre à viser. C'est pas donné à tous les Stormtroopers. Confirme. Non mais c'est les casques ça. Chef. Faut vraiment qu'on pense à changer les casques. On voit que dalle. C'est tellement ça. Excusez-moi mais est-ce que je suis obligé d'aller le taper? Ah d'accord. Bon bah j'y vais. Non mais j'ai une femme et des gosses. Mais merde. Papi. C'est marrant, il me tirait dessus à bout portant, il a pas réussi à me toucher. Je précise que je suis très fatigué, donc je vais dire que des conneries. Alors c'était forcément pas. C'est normal. Attendez. Je vais faire la voix de tous les Stormtroopers, je vais m'éclater. Ouais, c'est par là. Je dois passer là. C'est possible, honnêtement, je ne sais pas. Je sais que là, il y a un truc que tu peux utiliser et que t'as pas utilisé, je crois. Ouais, dans les catacombes, ouais. Mais bon, au pire, on y retournera une prochaine fois. Oui, voilà. Bon, par où je dois aller, concrètement? Bah, tout droit, là. Tout droit. Le mieux, ce serait d'aller là, là. Non, faut que là, tu utilises le raccourci ici pour remonter. Bon, tac, tac, tac. Et de là, faudrait que tu recules la carte, parce que je vois que dalle. Bon, au pire, vas-y, c'est par là. Au pire, c'est par là, voilà. Dans la tête de Cal. Saloperie de bestiole. Exactement. Je m'emmerde même pas à les taper au sabre, c'est vous dire. Bon, par là, je peux pas y aller? Si. Ah oui. Si, si, t'as du vent. Ah oui, du vent, là. Saute. Et voilà. Et là, tu vas faire... Wouhou. Hop là. J'ai pas compris. Fait que tu utilises l'autre mur. Attends. En premier et après le deuxième. Ah, exact. Ça te permet de sauter plus loin. Voilà. Exact. Moi j'ai voulu faire en un mur. Hein. Oui, t'essayes de craquer le jeu comme d'habitude, on a l'habitude, hein, t'inquiète. Hein. T'inquiète. Ouais, ouais, là il faut que tu sautes en face pour pouvoir remonter en fait. Ouais, c'est ce qui me semblait. Hein. Allez, on y va. Au fur et à mesure avec. Attends, il m'a enlevé mon élan. Enfoiré. Il a vu la vidéo, il a fait oh putain, j'ai le vertige. Pour un Jedi, c'est un comble quand même. Hein. Hop là. Tu feras gaffe, il y a un lance-roquette. Tranquille, tranquille. Ah non, c'est vrai qu'il y a ça au milieu qui fait que tu peux pas t'atteindre. Ouais. Ah bah oui. Bah c'est où? Bah. Hop là, il était derrière. Non, il est en face, il te regarde. Regarde. Regarde devant toi. Regarde devant toi. Là, là. Ah. Et je crois que c'est un boss. Donc bon courage. C'est un boss, voilà. Oh la vache. Allez, d'accord. Des bisous. Okay, bonjour. Oh putain, oui, d'accord. Oh non! Oh, c'est de la triche! D'accord. Oh, mais what the fuck? Mais what the... Mais quoi? D'accord. Mon pote, tu te caches où? BD?
Donc... Il faut que j'arrive à sortir de là. Donc c'était okay, la suite de l'histoire. C'était scripté en fait. T'as vu que t'as un truc là? J'ai plus mon sabre laser. Ah. D'accord. Il aurait fallu que t'aies ton sabre laser en fait. Alors, à mettre quelque part, j'imagine. Attendez. Je pense que ce sera peut-être pour plus tard. Essaye d'aller, de passer par là où t'as ouvert un passage. Alors, je peux faire là aussi. Ah bah, c'est bon de trouver. Faut que tu branches là. Mais quelle idée de foutre la prise qui te permet d'ouvrir la porte à l'intérieur de la prison. L'air est froid. Mais ils sont cons. On doit être en profondeur. Hein, t'as vu, c'est des bébêtes. Ouais. C'est des bébêtes de Zepho. Non, pas de Zepho, de... Bah si, de Zepho. Faut qu'on est sans Zepho. Non, non, pas de Zepho, justement, ils viennent de Bogano. Ah oui, c'est exact. En fait, j'avais aucun intérêt à venir là, on s'en fichait complètement. Ben, j'ai bien l'impression. Ah, de Kashyyyk, ça. Ouais. C'est les lucioles qui pètent. Oh, le bouquetin. Le bouquetin. Le boubou, le bouquetin. Et du coup, ça veut dire qu'il n'y aura pas de Stormtrooper, je pourrais pas faire deux voix. Oui, triste. Attends, c'est pas trop ce qu'il y a ici. Patience, mon trésor. C'est bien. Je sais pas quoi ça m'a servi, mais tu fais pour y aller. Alors là, il y a un truc à récupérer. Et à brancher. Oh. Ok. Donc ça, c'est déjà branché. J'ai pas l'impression qu'il fonctionne, t'as vu? Ouais. Ouais, ouais, je vois, je vois. Ah, je peux pas. Donc c'était probablement effectivement là. Je pense. Mais il doit y avoir un moyen de récupérer l'alimentation. Attends, ça a activé un truc. Ça a activé ça. Essaye d'enlever son machin. Moi, j'aurais mis là, tu vois. Ça va là, ça. Ah, peut-être. Il s'est passé un truc. Ah-ha. Il s'est passé un truc. Uh-huh. Peut-être de le mettre. J'aurais pas dit là, j'aurais dit là-bas plutôt. Où ça? Là où t'as enlevé le truc à la base. Je peux pas. Ah, il est trop petit. Ah, regarde, c'est pas assez long. Ah. Donc non, ça aurait été probablement là. Mais où peut aller celui-là là, quoi. Là-bas peut-être. Je peux le mettre? Non, je peux pas. Non, tu peux pas, mais il doit y avoir un truc proche, je pense, hein, à brancher. Hein. Bah là, couillonos. Ah, c'est pour ouvrir cette porte, ok. Bah tu te demandais comment j'allais y aller, bah comme ça. Hey. Mais effectivement. Allez Cal, infiltre-toi. Voyons si je trouve un moyen de sortir d'ici. Oh la vache, et il a pas peur de se faire électrocuter avec toutes les étincelles. C'est un jeudi, ne l'oublie pas. Certes. C'est un jeudi. Un jeudi gris tourné noir, mais tout de même. Alors on m'observe, bah oui, bien sûr qu'on m'observe, mec. Il y a des caméras partout, mec, encore heureux qu'on t'observe. Oh la grosse pépette. La pauvre. Bah disons que j'étais dans le même état il y a encore 5 minutes. Hein.
larves. Les larves de Bogano. Toutes mortes. Regarde, je peux jouer avec leurs cadavres. Hop là. Tu me fatigues. Dédicace au baron sans The Witcher. Oh. Hey, est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous voulez de l'aide? Hopa, Sortormo Kili Uba, Shakpudu. Quoi? Sortormo? Stuta Karkina Tonda! Tonda! Je vois. Ça a l'air d'aller. Hetchuta! J'ai besoin d'un instant. J'ai plus envie de l'écouter, il est juste fou. Je crois qu'il est fou. Par contre, on en parle du jeu qui ne traduit pas l'alien. Ouais, parce que c'est raciste. Ouah, il y a un truc qui est tombé, frère. Mais non, mais c'est surtout techniquement. Du coup, toi en tant que joueur, tu comprends pas ce qu'il dit. Non. Mais c'est ultra frustrant. Mais je crois qu'il comprend pas non plus, Cal. Ah, tu penses que c'est pour ça? Ouais. Ah, ça s'explique, ça s'explique. Donc là, c'est quand j'aurai BD. Donc il faut que tu trouves BD. Trouvons le petit jouet Disney. Ah! L'avez-vous entendu? BD? BD1? C'est toi? Te voilà! Est-ce que ça va? On va te sortir de là! Mais il peut sortir par ici, non? Bah parce qu'il est... Je te rappelle que dans Star Wars, tu as un petit objet qui, s'il est mis sur un droïde, l'empêche de bouger. Ou l'empêche d'utiliser l'intégralité de ses fonctions. Typiquement, on le voit cet objet dans Un Nouvel Espoir, le premier film sorti, sur R2-D2. Donc c'est peut-être pour ça qu'il peut pas bouger. S'ils ont été intelligents, ils ont utilisé ça du lore et ils l'ont utilisé sur BD. Ouais, ok. Pour expliquer pourquoi il ne peut pas sortir de la prison. Ouais, ok, ok. Techniquement, il peut bouger, mais il est... tu sais, c'est comme si ton programme était... comme s'il était piraté, en fait, à moitié, tu vois. Il garde sa conscience de droïde personnel, mais il ne peut pas utiliser toutes ses fonctionnalités, etc. Mais j'ai plus le terme que c'est. Je sais plus comment ça s'appelle. Je vois pas par où je dois aller. Je pense qu'il faut que tu chopes. Oui, ça, j'ai compris. Le truc qui est là-bas. Mais après, pour le brancher où? Pas où est-ce qu'il faut que tu le branches, effectivement. En haut, peut-être? Comment? Mais comment aller en haut? C'est la vraie question. Ah, lâche-le. Je pense qu'effectivement, tu l'as débranché, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Et je dois forcément le mettre autre part, du coup. Ouais, mais du coup, de l'autre côté, je pense. On en parle des monstres qui tombent? Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai trouvé ça chelou. Bah, peut-être par là-bas, hein. Bah, essaye, écoute, hein. Hop, On va essayer par là. Non, y a pas de... Je regarde juste s'il y a un truc où le mettre. Non, pas du tout. Donc, pas par là, vu que c'est trop petit. Pas t'en servir pour grimper? Je pense. Je sais pas, essaye de te jeter dans le vide. Ah, je suis un génie. J'ai eu l'illumination. Ah, c'est de là que ça tombe. Ok. Et là, tu peux le récupérer du coup. Laisse-moi t'enlever ce boulon d'entrave. Crétin. Pauvre droïde. Il faut qu'on sorte d'ici ou on finira comme eux.
Un boulon d'entrave, exactement, merci. Donc c'était un boulon d'entrave. Alors, pirater. Piraton. Alors, tu peux leur expliquer, hein. Il vient de se faire mal en claquant des dents. En claquant des mains, tu viens de te faire mal. J'ai compris, claquant des doigts, j'allais dire, ah non, c'est pas en claquant des doigts, non. Alors, pour vous expliquer, c'est parce qu'en fait, il y a eu quelqu'un qui s'est introduit, on va dire, dans la pièce. Pour s'introduire dans la vidéo. Pour s'introduire dans la vidéo de manière inopinée, donc nous avons été obligés de mettre pause et de supprimer ce passage, forcément. En tout cas, ce sera fait au montage. Et pour savoir exactement quand est-ce que je peux remettre la vidéo, j'ai claqué des mains pour avoir comme un clap, si vous voulez. Comme le clap du cinéma. Sauf que j'ai pas le clap du cinéma. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Tu sais comment ça s'appelle? Une pancarte de clap? Un clap. Un clap? Je savais pas. Et du coup, je me suis explosé le pouce. Voilà, j'ai trop mal. Oh, bien wesh. On y va. Je vais aller taper du chasseur de primes. On dirait bien qu'il y a quelqu'un finalement. Hé, mais je le connais ce groupe. Cette musique. Une fois que je me souviens de ce passage, je dirais juste mon bon chance. Ouais. Et vous êtes qui au juste? Tu veux savoir? Je suis Sartormo. Je suis le chef des opérations. Tu pourras remercier Grisy. C'est lui qu'on se rencontre, toi et moi. Je le ferai. Dès qu'on sera sortis d'ici. Nous accueillons un combattant très spécial pour vous ce soir. Un représentant d'une époque révolue à jamais. Un Jedi. Voyons ce qu'il a dans le ventre. Oh, rendez au bébé son juge. C'est de l'action que vous voulez? Je vais vous en donner de l'action. Oh, badass. Un truc à savoir quand il fait son truc avec la langue. Oui, je sais, je peux attirer ou. Ouais, et tu peux la couper. Mais là, j'ai déconné. Mais. C'est bien parce qu'ils ont bien compris que ma phobie c'était les bébêtes, hein. Pour Star Wars, hein. Ah bah ça va te mettre beaucoup d'ennemis différents. Je le dis. Et prépare-toi à galérer. Mais quoi? Mais ça lag, j'y comprends rien, ça me saoule. J'ai
Je sais, j'ai pas envie de mettre tout sur la tête du lag, hein, mais... Oh putain... Là, je suis morte. Hein. Oh putain. Oh, c'est fini. Laissez s'affronter. Hein. Non, il s'affronte pas. C'est fini. Pas dommage. Je vous le dis. C'est le genre de truc que je vais me battre dessus avec 4 steam. Hein. J'en ai qu'un. D'accord. Allez. Allez. Ça va être l'enfer. C'est bon. C'est une partie du jeu qui est très compliquée. Où on va passer beaucoup de temps. Je te le dis. J'ai hâte. Au moins, le sabre rouge est de circonstance. Hein. Je veux dire, voilà, qu'il se taise. Forcément, il va te sortir ça. Bon, ça c'est fait. Par contre, les lucioles à la con là. Elles sont chiantes. Bon, là c'est les petites bêtes. Donc, tu vas avoir les deux. Ah oui, c'est les petites. C'est les bêtes comme ça. Je te conseille ouais, de t'occuper d'abord de ceux qui t'envoient de l'acide. Je vais m'en débarrasser vite. Quoi, mais en fait il met 8 ans à voilà tu vois. Ah mais il est lent hein, Cal, c'est horrible hein, mais what, sérieusement. Quoi, mais ah ouais, premier bonjour quoi. Oh, sérieusement. Oh putain, je l'ai pas vu arriver. Bah oui, oui, frappe-le, oui. Frappe-le, il va, ça va te redonner toute ta vie. Ouais. Mais j'ai envie de me barrer de là, parce que oh, je suis au milieu. Mais ils les ont dressés pour te, pour ça, pour pas qu'ils s'éclatent, hein. What? Je le prends. Bah oui, parce qu'il a la mobilité d'un camion Ben. Vous savez ce qui serait bien? C'est qu'il puisse se TK. Mais non, parce que visiblement, la faune va m'en mettre plein le huc. Mais eux, par contre, y a pas de problème, ils passent au travers. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi que là-dessus, c'est pas très bien pensé. Que normalement, ils devraient faire en sorte que mais les... quoi ? Que les deux bestioles se frappent. Je t'avais dit hein, que ce serait un moment compliqué. Hein. Ok. Oui, oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Hein. Comme si c'était pas assez. Bah oui. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Hein. Ok. Ouais, ouais, ouais. Bienvenue dans la purge. Allez.
Alors, dites-moi, hein, vous, dans les commentaires, hein, si vous auriez réussi à passer tout ça sans avoir l'impression de mourir en boucle. Je le prends pas tout de suite. Ah, ça va, il te met directement le boss. Ça va. Honnêtement, j'ai eu peur que tu dois te retaper tous les... Enfin, ça va. Mais ouais. Parler, hein, tu peux pas galérer, mais hein. Comment... J'ai pas compris ces patterns, et je comprends rien. Mais il faut que tu les apprennes. Ah bah déjà, t'as fait sauter son... T'es poursuivi. Grise, t'es célèbre par ici. Ouais, des affreux, pas vrai. Ils ont peste l'huile de module. T'as l'air d'aller bien. Oui, mais on aurait pu se passer de ça. Une chance qu'on t'ait trouvé. On pourrait bien avoir d'autres ennuis. L'Empire a appris pour l'Holocron. C'est pas bon. Toute la mission est compromise. Et j'ai eu une discussion avec la deuxième sœur, Trilla. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle m'a dit que vous l'aviez livré à l'Empire. Est-ce que c'est vrai ? Elle dirait n'importe quoi pour faire échouer la mission. Est-ce que c'est vrai ? C'était mon apprenti. Avant la purge. Vous auriez dû me le dire. On a reçu un message crypté. Ça vient de Kashyyyk. Carl, on a trouvé Tarful, et il est d'accord pour te rencontrer. Mais ce n'est pas tout. L'Empire a réussi à nous déloger de la raffinerie. So a dû s'enfuir de la planète. Certains d'entre nous ont rejoint les Wookiees dans la forêt. Sois prudent. Toi aussi. Plus tard. Plus tard. On a une piste. Tout va bien. Et tout va très bien se passer. Hé, hey, petit gars. Hé, hey, lève-toi debout. Faut qu'on cause. Quoi ? Faut qu'on cause. Je sais pas trop ce qui se passe entre vous deux. Enfin, j'imagine que ça doit être un truc de Jedi. Mais si tu veux mon avis, c'est pas le bon moment. Ça te regarde absolument pas. Bah, je suis absolument pas d'accord. On est tous dans la même équipe, pas vrai? Hé, hey, Cal. J'ai commis une erreur. Et ça t'a presque tué. Je regrette. Peut-être qu'on fait tous des erreurs, hein? Peut-être que toi, non? Tu devrais être un peu indulgent. Je te dis pas de faire ça pour moi, mais tous les deux, vous êtes vraiment ce qui m'est arrivé de meilleur. Avant que vous débarquiez, tout ce qui m'importait, c'était d'avoir une main du tonnerre. C'est ce que disent les joueurs. Je sais ce que ça veut dire. La vie, c'est pas un jeu. Je ne m'intéressais qu'à moi avant que vous arriviez dans ma vie. Et au pari. Je suis plus le même. Alors techniquement, Gris, ça m'a pas presque tué, ça m'a tué deux fois. C'est pas faux.
propose qu'on s'arrête là-dessus. C'est sûr que c'est pas l'arbre des origines, mais ça fait son effet. J'aime ce que t'as fait avec les branches. Eh hey, agrandi quand même. C'est très gentil. Je te propose que bah tu vas sauvegarder comme ça on s'arrête là. Ouais. On aura la suite la prochaine fois. La prochaine fois, effectivement. Et je crois, de toute façon, je peux rien prendre. C'est ça. L'étranglement, quoi. Bah, moi, je te dis, prends. Hein. Allez, ça sera raccord avec moi-même. Maintenir LT. C'est pas Jedi. Hein. Ah non. Non. Et je serais déjà un peu ça plus raccord avec moi-même. Ça n'a rien de Jedi, ça. Bon, écoutez. On va s'arrêter là, hein. Je me remets en position à genoux. À genoux. À genoux devant moi. Bah, en soi, ça va. Je me rappelais plus, mais effectivement, le jeu est pas trop pupute. En sachant que une fois que t'as tué les monstres, si jamais tu meurs sur le boss, on te remet que le boss. Ouais. Je l'ai poursuivi. Je voulais défoncer sa mort. Vraiment. Ah, j'étais pétère, hein. Ah, toi, tu vas bouffer pour tout le monde. Complètement. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a plein de réseaux sociaux dans la barre de description. Allez voir, il y a YouTube. Le YouTube de l'âge pop culture qui va bientôt commencer. Ça commence mercredi. Alors allez vous abonner. Allez regarder, ça va être trop bien. On est sur Twitch, sauf le lundi et le jeudi. Et puis, nous, on se retrouvera au prochain épisode. Tchuss! Tchuss! Stomp, 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 trooper. Au revoir, la deuxième sœur.